Automassage du droit fémoral. Donc c'est un défléchisseur de hanche. Donc l'action principale, c'est la flexion de hanche. Pour ce faire, en fait, il est très long. Donc tu vas utiliser un rouleau d'automassage. Tu vas partir de la crête iliaque antérosup et descendre jusqu'à la patella sur le centre, d'accord, du quadriceps. Donc, pour ce faire, tu te places simplement sur le ventre en position de gainage. Donc on retrouve l'autograndissement, etc. Là-dessus, tu vas partir par exemple de la patella et tu vas venir remonter jusque tout en haut pour venir redescendre lentement. Donc l'idée, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller très lentement et de trouver les endroits qui sont un peu tendus, là où on retrouve des douleurs et s'y arrêter peut-être un peu plus. Là, j'en ai un et on y va doucement. Pour rouler de haut en bas. Le pied arrière, la jambe qui est en train d'être massée, il est dans l'axe. Donc cherchez pas à l'orienter à l'intérieur, à l'extérieur, c'est pour d'autres chefs musculaires qu'on utilise ça.